Alors, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'excuse pour ma tête, mais comme je suis au boulot, voilà. Je m'attache les cheveux. Et comme je les douche que ce soir, au moment où ils sont attachés. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme vous avez pu voir dans le titre. Attendez, je vous avance un petit peu. Voilà, pour la Birchbox. Donc, c'est la Birchbox de Noël. Donc c'est ma première commande, donc je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, vu que c'est ma première commande. Je ne suis pas sponsorisée, hein, ça va de soi. Sinon je le dirais, mais je ne suis pas encore à ce point-là. Donc elle se présente comme ceci, elle est trop belle la boîte. Ensuite vous avez ça, donc ça se trouve dans une petite pochette Birchbox. Attention. Même la pochette, elle sent trop bon. Ensuite, vous avez tous les petits produits qui sont dedans. Donc, je vais vous dire au fur et à mesure les prix. Donc, je vais regarder ce qui est en premier. Voilà. Alors, en premier, on a le Ciaté London. Si je trouve. Hop, il y a un produit qui s'est barré. Alors, on va tous les sortir. Voilà. Hop, mettez-vous là-dedans. Donc le Ciaté London, son mini embout feutre guide sur la paupière pour vous faciliter la mise en la mission. Trait d'eyeliner parfait. Le plus, il dépose un noir bien pigmenté au ras des cils et se fixe en quelques secondes pour ne plus bouger. Donc c'est celui-là. Voilà. Il est comme ça. Bon, je l'ouvre pas, hein. J'ai fini d'abord celui-là que j'ai. Il coûte 13,60 €. Voilà, un bon prix. Je m'étais mouchée. Ensuite, le deuxième, c'est le Woman Plus Kid. Donc normalement, vu que j'ai pris un annuel, normalement je l'aurai le mois prochain. Donc je ferai ça tous les mois, je pense. Hein, parce que j'ai pas l'intention de résilier pour l'instant. Ensuite, c'est celui-là, le Woman Plus Kid. Donc il coûte 11,01 €. Avant, vous crémiez le corps après la douche. Désormais, ce rituel a lieu sous la douche. Après le savon, appliquez ce soin hydratant, puis rincez. Résultat, la peau mouillée assimile parfaitement sa formule hydratante et retrouve illico toute sa souplesse. Nanana, ces ingrédients sont amour pour des formules douces. Choisis ces ingrédients avec amour, pardon. Donc là, on a le petit, hein, pour tester. Voilà, ils sont comme ceci. L'autre, bah, il a la bonne taille. J'ai pas eu l'échantillon, j'ai eu le vrai. Ça, je vais le mettre là. Ensuite, on a l'échantillon de John Master Organics. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Bon, j'ai senti, ils sont pas super bons. Après, j'ai pas testé. Hein. Débouchez son flacon, vous serez enivré par son odeur mêlant citron, pamplemousse et néroli. Mais le vrai atout de cet après-shampoing démêlant, c'est d'hydrater et d'assouplir vos longueurs sans les graisser. Ouais, les graisser. Voilà. Donc, il coûte 17 € quand même. Hein. Bon, là, j'ai un échantillon. Hein. Voilà, j'ai une équipe chatouille, je dois avoir un cheveu. Merde. Je suis désolée, hein, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Donc... j'ai lequel, moi? Ah bah cool, c'est celui-là que je mets. Donc là, on est à celui-là. Donc c'est le Love of Color, donc j'ai le Punchline, je suis contente. Parce que les deux autres, donc ces couleurs là, ça me va, celle-là ça me va. Mais quand ça devient trop foncé, ça fait bizarre sur moi. Ben, après je suis, on va pas se le cacher, vous le voyez très bien, je suis grosse, donc il y a certaines couleurs qui me vont pas. Si je mets des couleurs trop papa, ben ça me grossit encore plus. Voilà, donc c'est un crayon plus un gloss. Un rouge à lèvres brillantissime. J'ai un peu de mal à lire aujourd'hui. Hein. Parez vos lèvres d'une teinte électrisante pour des sourires qui attrapent la lumière.
Son application facile et précise grâce à la pointe du crayon à taille régulière. À tailler régulièrement. Sa couleur modulable. Sa texture hydratante. Donc, je vous ai fait un swatch. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Un peu. Attendez, je vais vous en refaire un autre. C'est. Quand on regarde ici, ça a l'air. Vous savez, un peu mat comme ça. Mais quand on le met sur la peau, c'est un peu liquide. Je pense que c'est ça qui fait l'hydratation. Je l'essayerai, je vous dirai dans une prochaine vidéo ce que ça donne. Parce que là, je vais vous la montrer, vous la poster tout de suite, comme ça c'est fait. Comme ça, vous aurez une vidéo depuis longtemps. La véritable crème de Laponie, crème visage et zone sensible. Ah bah ça tombe bien. Elle tombe très bien. Merci Birchbox. Donc voilà, elle est comme ceci. Alors, alerte produit culte. C'est le soin cocon de l'hiver qui va vous rendre accro. Ce qu'on aime, sa texture baume qui fond au contact de la peau. Son action doudoune super protectrice. Alors, l'actif clé. Les baies arctiques très riches en vitamines A, C et E au fort pouvoir anti-radicalaire. L'application matin ou soir dès que la peau tiraille. Ah bah ce sera surtout le soir alors. Franchement. Après vous avez le petit magazine. Hein. Là vous avez ce que vous avez dans la box. Et après vous avez le petit magazine. Qui vont des trucs, des idées. Voilà. Une minute. Alors voilà, donc on a fini tous les produits, donc il y en a 5. Donc franchement, au début j'étais réceptive, je me dis oui, 30 euros bien sûr, 13 euros c'est cher. Mais quand on voit le prix des produits, 13 euros, vous voyez, je crois que c'est un produit qui coûte ce prix-là, si je me souviens bien. Ou pas loin. Ouais, vous voyez, ça, en fait la box, elle a le prix de celui-là. Donc je trouve que c'est une bon truc et franchement à chaque fois que je vois la pub hein, je la vois à chaque fois et franchement je la connais par cœur, j'ai envie de dire presque j'ai pas c'est ma première box hein, donc voilà mais pour ma première box franchement je suis super ravie et en plus c'est en train de d'être moins lumineux donc c'est vraiment cool là vous le voyez peut-être mieux donc franchement je suis super contente de mes produits j'ai rien à dire je suis super contente bon après c'est un crayon donc je pourrais peut-être même l'utiliser demain. Donc franchement, je dois juste vous dire que si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, qui travaille dans un endroit où elle ne gagne pas beaucoup, 13 euros, ça vaut le coup. Franchement, en plus, il y a la petite pochette trop mignonne. Elle est trop chou, en plus Birchbox et tout. De toute façon, moi, je pense que mes petits produits, je vais les mettre là-dedans. Parce que franchement, la boîte, franchement, elle est trop belle. Ça fait trop mal. Franchement, j'ai déjà hâte d'avoir ma prochaine box. Parce que je voulais voir avec la box. Parce qu'en fait, genre, quand j'ai commandé la box, je dis ouais. En fait, tu commandes ta box et après, tu dois en avoir une toutes les mois. Après, on peut la résilier. Hein. Il le précise bien, on peut l'enlever. Mais quand je vois ce que c'est, franchement, je vais pas me résilier. Je vais attendre la prochaine box. Et si à un moment, je suis très déçue, là, je l'arrêterai. Mais pour l'instant, franchement, je n'ai rien à dire. Les produits sont trop mignons. En plus, ça change un peu des crèmes pour les mains que j'ai parce que j'en ai. Deux, je crois. Bon, après, j'aime bien hydrater mes mains, donc voilà. Là, c'est vraiment un soin corporel pour la douche. Donc, moi qui ne pense pas tout le temps à m'hydrater la peau. Quand je le fais, c'est sur la douche, tu dois sécher et tout. Là, tu le fais sous la douche. Donc, c'est vraiment génial. Et ça, ben, ça tombe super bien. En fait, ils arrivent à savoir ce que je voulais. Parce que c'est la box de Noël. Hein. C'est vraiment la Birchbox de Noël. C'est celle-là que. Pour Noël, voilà. Pour être belle pour Noël. Donc voilà, donc je vais arrêter là parce que sinon je vais encore continuer à parler pour ne rien dire. Voilà, donc si vous êtes comme moi, vous êtes réceptif, franchement, Birchbox, c'est génial. Je m'excuse encore pour ma tête. Je vous promets que la prochaine vidéo, j'aurai une meilleure tête. Allez, je vous fais de gros bisous.